présence de Dieu. Quand tu prends place, tu salues seulement ton frère à côté. Dis bienvenue, bienvenue, avec un grand sourire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis celui que Dieu a appelé pour être le père de cette église. Ce n'est pas parce que je veux, mais c'est parce que le Seigneur le veut. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu que je sois devant vous, le capitaine de paix de cette église. C'est vrai que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas. Ils me voient pour la première fois. Alors, tous ceux qui ne m'ont jamais vu, lève la main si tu ne m'as jamais vu, sincèrement. Alors, tous ceux qui ne m'ont jamais vu. Gloire à Dieu. Bon, continue de lever la main. Toi, tu ne m'as jamais vu. C'est bien. Alors, tous ceux qui m'ont déjà vu, tous ceux qui m'ont jamais vu, levez la main. Tous ceux qui m'ont déjà vu. Ah, vous êtes la majorité. Ah, vous connaissez. Maintenant, tous ceux qui me voient aujourd'hui, tous ceux qui me voient aujourd'hui, tous ceux qui me voient aujourd'hui, oh, tous ceux qui font connaissance de moi aujourd'hui. Toi, tu es en train. Oh, tout le monde, je pense, tout le monde. Tous ceux qui me voient aujourd'hui, levez la main, levez la main. Ah, c'est. Pourquoi les autres ne lèvent pas la main? C'est pas grave, si tu ne veux pas. Dans tous les cas, même si tu ne veux pas me voir, tu me vois déjà. Amen. Même si tu ne m'aimes pas, tu vas m'aimer. Amen. Parce que ce que je vais te dire va te faire tellement de bien que tu finiras par m'aimer. Amen. Avec la grâce de Dieu. Tous ceux qui ne m'ont jamais connu, moi je te connaissais déjà. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. La grande surprise. Toi, tu ne m'as jamais connu, mais moi, je te connaissais déjà. Amen. Je connais même ton nom. Chose étonnante. Moi, je te connaissais déjà très bien parce que j'ai prié pour que tu viennes et je continue de prier pour d'autres qui vont venir encore. Amen. Beaucoup plus nombreux. Amen. Ils vont venir. C'est ça que je vais lire tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 55, le verset 5 dit « Des nations viennent, des gens que tu ne connais pas, viendront et afflueront, ils vont venir. Des gens que toi tu ne connais pas vont venir encore ici. » Ah, moi j'ai dit « Amen » parce que c'est vrai. Je l'ai toujours dit et je vais le dire encore davantage. Les gens viendront encore beaucoup plus nombreux. C'est par la grâce de Dieu. Nous allons prendre notre sainte scène. Matthieu chapitre 26, le verset 20. Je vais lire. Mais avant tout, j'invite tous ceux qui sont service, les diacres qui sont de service pour apporter cette table pour la mettre ici en plein milieu. Merci Seigneur. On peut l'ouvrir, ouvrir cette table. Merci Seigneur. Vous restez ici. Gloire à Dieu. Tout le monde me voit? Amen. Moi, j'aime être vu. Est-ce que tout le monde me voit? Amen. Même si tu ne veux pas me voir, tu me vois. Et d'ailleurs, tu me verras encore. Amen. Parce que je vais te dire des très bonnes choses. Amen. De la part de Dieu. Amen. Nous sommes devant cette table dressée sans aucun doute par des mains d'homme. Mais cette table représente une scène. Les historiens
de la Bible appelle ça la scène, le scénario. Je vais relire le texte de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, collecteur d'impôts, devenu disciple, puis apôtre de Jésus, et l'agent des impôts. Chapitre 26 de Matthieu, le verset 20. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les douze. Matthieu raconte. L'évangéliste Matthieu est en train de raconter ce qui s'était passé. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Le texte ne dit pas qui est répandu pour tous et pour beaucoup. Moi, je voudrais que toi, tu rentres dans ces moments-là. Je souhaiterais que toi, tu rentres dans ces nombres-là, des beaucoup. Amen. Pas pour tous, mais pour beaucoup. Je voudrais que toi, tu rentres dans ces beaucoup. Et même pour le texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, la première église primitive, les 3000, généralement dans le texte en français, il est écrit « Ceux qui crurent furent baptisés. » Mais dans les textes originaux en grec, il est écrit « Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. » Moi, je voudrais que toi, tu rentres dans ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, Dieu soit béni, Dieu soit loué pour toi qui es venu à l'église. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de la Sainte Cène. Gloire à Dieu. En ce premier dimanche du mois de décembre, alors que cette année est en train de dire adieu parce qu'il n'y aura plus jamais 2018, l'église est en train de se préparer pour finir l'année en beauté et puis rentrer dans une nouvelle année, non seulement en beauté, mais avec assurance. Amen. Parce que l'année 2019 sera meilleure que l'année 2018 pour toi. Amen. On aura l'occasion de le redire après. Jésus, notre Seigneur, réunit son peuple pour faire une scène. Une scène pour faire ce que son peuple devra désormais faire toutes les fois que l'Église se réunit. Nous ne nous réunissons pas seulement avec Jésus maintenant, mais nous devons nous réunir avec Jésus tout le temps de notre existence. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Nous ne devons pas attendre seulement quand nous venons ici pour devenir les plus pieux. Mais nous devons plutôt être les plus pieux tout le temps dans notre vie. Que ce soit à la maison, à l'école, à la plage, partout où nous allons, Dieu veut que nous soyons les plus pieux. Amen. Les plus nobles. Le plus stable. Le plus saint. Tout le temps. Non seulement quand nous faisons part à ses services, mais plutôt tout le temps de notre vie. C'est pourquoi il est appelé ce temps aussi temps de communion. Mais ce temps, c'est le temps aussi le plus important, parce que ça nous identifie d'être des enfants de Dieu. Donc si tu ne fais pas part à cette table, pour moi, tu ne t'identifies pas à appartenir au corps du Christ. Dans la famille, quand le moment de repas arrive, tout le monde doit participer au repas.
Parce que quand on mange, on se dit que les enfants vont grandir, oui ou non? Amen. Les enfants qui ne mangent pas ne peuvent pas grandir. Donc, la maman et le papa disent, il faut que tous les enfants s'alimentent pour grandir. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle autour de ces repas. Parce que le Seigneur veut nous voir non seulement grandir, mais vivre. Amen. Vivre. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, je te convie de te rapprocher de nos services à la fin du culte. Et d'ailleurs, nous aurons un service d'enseignement pour le baptême, pour préparer le peuple au baptême qui aura lieu à la fin de ce mois. Avant de rentrer en l'année 2019, moi je voudrais voir toute cette assemblée se lever pour prendre part à ce service. Et en ce moment-là, moi je serais très fier de me présenter devant le Seigneur. Le soir, quand je prie, j'ai dit Seigneur, merci. Parce que toute cette assemblée qui était réunie ce matin a participé au repas du Seigneur. Parce que ce peuple s'identifie d'appartenir. Amen. Non seulement ce peuple écoute, mais ce peuple pratique. Amen. Quand Jésus réunit son peuple, le Seigneur avait pris le pain, il avait rendu grâce. Mais premièrement, Jésus prit ce pain et il avait rompu. C'est pour dire, moi Jésus qui suis le pain, je serai rompu. C'est-à-dire, je vais mourir. Je vais souffrir. Mon corps va souffrir pour donner la vie à ceux qui croiront que moi, je suis leur Seigneur. À ceux qui vont m'accepter, je serai rompu. Je vais souffrir. Je vais mourir. Mais je reviendrai à la vie. Amen. C'est pourquoi il avait pris le pain. Il a cassé ce pain. Pour dire, moi aussi, je vais mourir. Mais je reviendrai à la vie. Amen. Il a pris le pain. Il a dû rompre ce pain. Voilà l'autre signification. De rompre le pain. Il dit, moi, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Parce que la manne n'avait pas donné la vie éternelle au peuple. Et d'ailleurs, non seulement ils ont mangé, ils ont oublié complètement le miracle que Dieu avait opéré durant 40 ans dans le désert. Quand ils sont arrivés à la terre promise, ils ont complètement oublié. Tous les prophètes n'ont pas pu ramener le cœur de l'homme vers Dieu. Cette fois-ci, Dieu dit, je vais m'incarner. Je vais devenir un homme. Amen. Et cet homme va souffrir. Il a pris le pain et il a cassé. Cela symbolise la souffrance qu'il a endurée sur la croix. Cet homme de souffrance. Mais Jésus l'a accepté pour que nous, nous ayons la vie. Pour que toi, tu rentres dans ces beaucoup. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Oui, Jésus avait pris la coupe. Aussi, il avait béni la coupe. Et il a dit, prenez ceci et mon sang. Quand nous prions pour le pain, ce pain devient exactement le corps de Jésus. Et nous, quand nous prenons cette coupe devient le sang de Jésus. Répandu pour l'alliance des beaucoup. Moi, je veux que tu rentres dans ces beaucoup-là. Amen. Et si non seulement tu le réalises, mais tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu manges ce pain qui est le corps véritable de Jésus, tu bois cette coupe qui est le véritable sang de Jésus répandu pour beaucoup. Afin de rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire devenir des enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont de la chair et du sang, mais des enfants spirituels. Amen. Ceux qui sont nés de l'esprit.
Hélas, jusqu'aujourd'hui, il y a des Israélites qui ne sont pas des messianiques, c'est-à-dire des Israélites nés seulement de la chair et du sang, mais qui ne savent pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais gloire et louange soient rendues à Dieu, parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Non pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, si tu es baptisé par immersion, et quand tu participes à ce repas, tu es un enfant de Dieu. Amen. Mais si tu ne participes pas à ce repas, tu es comme un Israélite qui ne croit pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais quand tu participes à ce repas, tu te dis, je m'identifie être un enfant de Dieu, né de nouveau. Ainsi donc, je vais inviter tous ceux qui sont baptisés par immersion de se tenir debout avec moi. Je voudrais bien voir ceux qui vont rester assis. En me posant la question, si Jésus revenait maintenant, où sera ta part? Mais le Seigneur, il nous aime tellement, il nous accorde encore la grâce. Si maintenant tu ne te tiens pas debout à la toute notre prochaine séance de Sainte-Seine, il va falloir que tu te tiennes debout parce que tu auras reçu ton baptême. Amen. Tous ceux qui sont restés assis, qui pensent, ce n'est pas une obligation, pouvoir participer à ce service, lève la main. Qui pense pouvoir participer. Parce que tu iras dans les eaux de baptême avec moi. Qui pense? Tu es assis et tu t'es dit prochainement. Évangéliste, regarde-moi seulement. Prosper, regarde-moi tout simplement. Le défi de protocole, regarde-moi seulement. Les gens qui lèvent leurs mains. Tu es assis et tu t'es dit à la toute prochaine séance. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Ce sont les nouvelles âmes que le Seigneur envoie. Amen. Ainsi donc, je vais demander au diacre Gina de bénir ce pain qui représente le corps de Jésus. Et puis la diaconesse Judith Belle-Rose priera pour la coupe qui est le sang de Jésus. Nous prions. Notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle, après avoir pris le pain et rompu en disant, ceci est mon corps, prenez et mangez. Mais bien-aimé, souviens-toi le sacrifice que notre Seigneur a fait sur la croix. Que ce pain qui représente le corps de Dieu, vous donne la paix, la joie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais donner la coupe à la diaconesse Judith. Prions. Père, nous voici devant cette coupe qui représente le sang de Jésus. Le sang versé pour nos péchés et nos iniquités, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, ô Dieu. Mets-nous au large, Papa. Merci de ramener nos corps, nos cœurs, nos pensées vers toi, Papa. Seigneur, en buvant cette coupe, que nous soyons guéris, transformés, renouvelés, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce service qui nous identifie, Seigneur Dieu, à appartenir au corps du Christ. Quand nous faisons part à ce service, nous nous disons, Seigneur Dieu, que nous sommes encore ton peuple, nous sommes encore tes enfants, nous sommes encore ton Église. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Dieu pour tous ceux qui ont participé
à ce repas spirituel. Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui n'ont pas pu participer, Yahweh, nous les abandonnons entre tes mains, non pas par notre force, mais par ton esprit, Seigneur Dieu, afin qu'ils rentrent dans les eaux de baptême, comme l'eunuque éthiopien, après avoir reçu les explications du serviteur Philippe, il avait dit, voici l'eau, qu'est-ce qu'il manque pour être baptisé et d'être sauvé. Seigneur Dieu, nous sommes devant l'eau. Ton peuple est devant l'eau. Il ne manque plus que rentrer dans ces eaux. L'eau, c'est la parole de Dieu. Que ton nom soit béni. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à ce service, mais qui veulent, nous croyons, Seigneur, non pas par notre force, mais par l'Esprit, qu'ils vont aussi pouvoir rentrer dans les eaux. Et au cours de notre prochaine séance, Seigneur, au Dieu de Sainte-Seine, toute l'Église va pouvoir participer à ce repas. Merci, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous te disons tous, merci, Seigneur Jésus. Et nous te disons, Seigneur, notre Dieu, tous, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler quelques-uns pour faire la lecture de notre texte. Nous restons debout quelques instants. Merci, Seigneur. Ésaïe chapitre 55. Tandis qu'on me chante, l'air de musique de Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira devant l'agneau. Touche. On me chante cet air de musique. C'est Matthieu. Matthieu chapitre 22. J'aime Jésus. Les cinq premiers versets. Le premier texte. Je dis au nom de Jésus, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prenez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai une alliance avec l'Éternel pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22, le 5 premier verset. Je lis au nom de Jésus. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ,
s'initier à son trafic et les autres se saisir. Non, 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 point. Parole du Seigneur. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Parole du Seigneur. Nous prenons place en acclamant le Seigneur. Ceux qui veulent à ta vie, ils vont tous tomber dans l'eau.
Fais comme ça avec moi. Tous ceux qui en veulent à ma vie, ils vont tous tomber dans l'eau et dans le feu. Tous ceux qui veulent. C'est ça la déclaration. Je suis en train de faire une déclaration. Le Seigneur m'a dit, va déclarer à mon peuple, va leur dire qu'ils vont finir l'année 2018 en beauté, et puis ils vont rentrer en 2019 avec beaucoup d'assurance. Voilà la déclaration. Voilà la déclaration. C'est pourquoi tu as dit amen. Amen. Il a reçu. Il a reçu les mots. Je dirais un peu, c'est pourquoi ne manque pas toutes les réunions, parce que jusqu'à la fin de l'année, quand je me tiendrai ici debout, ça sera juste pour faire des déclarations. Amen. Pour ta vie. Amen. Je ne ferai que déclarer. Comment? Et tout ce que je vais déclarer va s'accomplir dans ta vie. Amen. À moins que tu ne veuilles pas, jusqu'à la fin de cette année, quand je me tiendrai ici, ça sera juste pour faire des déclarations. Amen. Aujourd'hui, je vais en faire plusieurs déclarations. Ma méditation, c'est acheter sans argent. Amen. En cette année de la solidarité de l'Église, le Seigneur veut que nous achetions sans argent. Amen. Lève ta main droite, dit, le Seigneur veut que nous achetions tous. Tous, qu'on achète tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. C'est extraordinaire ça. Amen. Pas seulement une partie des choses, mais que tu achètes tout ce que tu veux. Amen. Mais alors sans argent. Amen. Est-ce que ça existe ça? On va voir dans la parole de Dieu. Finalement, cela existe. Je continue de te présenter un Dieu bon. Un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant que tu n'as jamais vu et tu ne verras nulle part ailleurs. Le Seigneur que je te présente, c'est le créateur des cieux et la terre. Le Dieu que je te présente, c'est le Dieu tout-puissant. Il écrase tous tes ennemis. Le Dieu que je te présente, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne tous les péchés. Si tu étais venu ici avec une culpabilité, le Seigneur, mon Dieu, te pardonne à cet instant où je parle. Amen. Et Dieu te fait rentrer dans son amour. Amen. Parce qu'il t'aime. Dis amen. Dis amen. Amen. Alors, laisse-moi aussi te rappeler que tu es dans une église qui a comme mission de t'annoncer le salut de Dieu. Amen. Que tu rentres au ciel. C'est notre première mission. Nous annonçons l'évangile afin que tu rentres dans ce nouveau monde. Parce que le monde où nous nous trouvons passera. Le monde où nous nous trouvons avec toutes ces convoitises passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Voilà notre mission. Aussi, j'insiste pour rappeler à l'Église que quand tu viens ici, quels que soient les fardeaux que tu portes,
Le Seigneur, mon Dieu, t'accorde la paix. Amen. Ta paix, la paix de Jésus. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu viens d'une famille divisée. Tu es orphelin. Tu es orpheline. Tu es en manque d'affection, en manque d'amour. Tu te dis, personne ne m'a jamais aimé. Je ne connais pas l'amour. Ici, tu vas rencontrer cet amour. Amen. Parce que Jésus est le père des orphelins et des orphelines. Amen. Il est le mari de veuves. Quelle que soit la détresse et les fardeaux que tu portais, quand tu arrives ici, le Seigneur, mon Dieu, t'apporte des solutions. Amen. Même si tu traînes une maladie incurable, mon Dieu te guérit de cette maladie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Même si tu étais persécuté par une tonne de démons, mon Dieu te délivre. Amen. En ce moment même où je parle, s'il y a parmi nous quelqu'un qui était persécuté, reçois la délivrance de Amen. Mon Dieu. Amen. J'aime ce Dieu. Amen. Voilà la paix de l'Éternel. Amen. Une église qui aime les gens et qui fait rentrer les gens dans la paix de l'Éternel. Amen. Dans l'amour de Dieu. Ici, le prophète Ésaïe va parler de ce qui était arrivé et de ce qui doit venir. Le peuple d'Israël revenait de la captivité de Babylone. Pauvres, ils n'avaient rien. Ils sont restés plusieurs années des esclaves à Babylone. Mais comme la promesse de Dieu ne pouvait que s'accomplir, Dieu avait dit, même si vous partez en captivité, vous reviendrez ici. Le prophète Jérémie, qui était resté avec les malades, les aveugles, avec le vieillard, les petits enfants, les prophètes des lamentations, il a continué de dire à Dieu, Seigneur, ce peuple doit revenir. Et c'est comme ça que Jérémie va dire au peuple, ne vous inquiétez pas, vous qui êtes partis et vous qui êtes restés, Dieu a formé un plan de bonheur, Amen. Un plan d'amour, Amen. Un plan de paix. Amen. Dieu va reconstruire tout. On entendra encore des chants d'allégresse à Jérusalem. C'est-à-dire que tu entendras encore, bien-aimé, des chants d'allégresse. Tu chanteras encore. Tu danseras encore. Est-ce que cette parole s'adresse à quelqu'un? Amen. Tu danseras encore. Amen. Tu te réjouiras encore. Amen. Ce peuple venu, revenu de Babylone, il arrive à Jérusalem, pauvre comme tout. Ils avaient tout perdu. Plusieurs années après, il n'y avait aucune seule plantation. Et Dieu va parler à leur disant, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Voilà la parole que Dieu t'adresse ce matin. Amen. Tu es en train de revenir d'une situation difficile, une situation de captivité. Je ne connais pas ton histoire. Mais le Seigneur, mon Dieu, connaît ton histoire. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu sort de le cœur et le rein. Dieu sait dans quelle situation tu te trouves. Il te dit, peu importe ce que tu as traîné derrière toi, mais moi, Dieu, je vais te reconstruire. Amen. Moi, Dieu, je t'aime. Amen. Et le Seigneur dit, même si vous revenez de la captivité, que vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu, moi, Dieu, je vais vous nourrir. Amen. Venez, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. C'est un commandement. Le Seigneur était sûr de ce qu'il disait, parce qu'il savait qu'il était capable de leur nourrir. Amen. Et ce matin, le Seigneur te dit, viens. Amen. Et comme nous sommes dans l'année des solidarités, venez tous. Amen. Dieu veut nous bénir tous. Amen. Il est écrit que tous ceux qui avaient accepté la parole de Dieu, tous ils étaient bénis. 3000 ce jour-là, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ce jour-là, les 3000, Dieu va changer, Dieu va bouleverser leur vie. Et il n'y avait aucun incident, aucun indigent, c'est-à-dire il n'y avait aucun seul pauvre parmi eux. Tous étaient bénis. Amen. Nous tous, Dieu veut nous bénir. Amen. Je croyais que tu vas lever la main pour dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dieu veut bénir tout le monde. Amen. Il n'y avait aucun seul indigent parmi eux. Aucun seul misérable. Et moi j'ai envie de parler premièrement de la misère spirituelle.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous. C'est tout le monde que Dieu appelle ce matin. Amen. Amen. Même les enfants qui sont dans le ventre de quelques femmes ici, Dieu les appelle aussi. Amen. À son salut. Esaïe parle de la part du Seigneur et il parle de l'amour de Dieu à son peuple que nous sommes. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, à nous qui sommes là ce matin, que nous pouvons encore espérer. Amen. De bonnes et de meilleures conditions de vie. Peu importe notre histoire, peu importe ce que nous avons déjà vécu, Dieu te promet de meilleures conditions de vie. Amen. Toi qui n'as pas encore expérimenté la gloire et la puissance de Dieu, tu vas expérimenter, mon Dieu, à une autre puissance que tu n'as jamais vécue. Amen. Et cette grande expérience que tu vas expérimenter de l'amour de Dieu va te faire rentrer dans ton alliance, Amen, dans le plan que Dieu avait préparé pour toi. Amen. Prépare-toi. Amen. C'est gratuit. Amen. C'est beau. C'est agréable. Amen. Alors le texte parle de deux grandes lignes des choses que Dieu promet que nous pouvons acheter sans argent. Alors ça se symbolise par quoi? Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez aux eaux. L'argent, c'est ce qui nous permet d'acheter tout ce que nous voulons. Mais il dit, venez acheter sans argent. À la fin du culte, nous allons faire une grande queue. Nous irons à Carrefour. Nous allons prendre des chariots. Nous allons prendre tout ce que nous voulons. Nous allons remplir nos chariots. Les caissières et les agents de sécurité ne vont pas nous inquiéter. Nous allons sortir de là. Amen. Sans pire. Amen. Tu veux que ça soit comme ça? Amen. Moi le premier. Regarde ton voisin s'il ne veut pas dire oh, oh, allons-y. C'est gratuit aujourd'hui. C'est la grande fête. J'ai envie de voir des mecs célèbres. Photographe, viens un peu ici pour voir. Parce que j'ai envie de faire un petit scénario. Je veux voir le main. Sincèrement, je veux voir le main de ceux qui veulent partir avec moi. Moi, je serai devant tout le monde. Et je veux voir le main de tous ceux qui veulent partir avec moi à Carrefour pour aller remplir des chariots. Et sans argent. Tu prendras tout ce que tu veux. Tu ne paieras pas. Moi, le premier. Faites-moi des grandes photos de tout ce que tu veux l'acheter. Ah, c'est bien le diacre, les responsables, c'est bien. Moi, le premier, je serai devant vous tous. Amen. Et nous allons remplir des chariots et nous ne nous paierons pas. Amen. Dis amen fort. Amen. Ça sera ici. Amen. Mais il faut que tu arrives à la fin du culte. Amen. À la fin de ma méditation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Qui a soif de la parole de Dieu ce matin? Ah, c'est bien le max. Moi le premier, moi j'ai soif de la parole. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc toi tu te dis, moi je n'ai pas de moyens pour venir vers Dieu. Le Seigneur te dit, viens quand même. Amen. Toi tu te dis, mais moi je n'ai pas la foi. Le Seigneur te dit, viens quand même. Amen. Toi tu te dis, mais moi, je suis le dernier. Je viens d'arriver aujourd'hui dans cette église. Le Seigneur te dit, viens quand même. Amen. Tu te dis, mais il y a longtemps que je viens ici, que j'ai pris Dieu, que je ne reçois pas. Le Seigneur te dit, viens quand même. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir. Amen. Ce que tu attendais de la part de Dieu. Amen. Il y a longtemps que tu attendais. Mais aujourd'hui, tu vas recevoir. Amen. Ce que tu attendais de la part de Dieu. Amen. Venez. Le Seigneur a des bras grandement ouvert pour te bénir. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'on parte dans un magasin sans carte bleue, sans aucun billet de banque, sans son chéquier, ces derniers jours, on n'utilise plus le chéquier, sans rien du tout, et on te dit, viens, venez acheter sans argent, sans rien payer. Partez. Partez, prenez tout ce que vous voulez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé?
prête bien attention. Ici, il y a deux grandes lignes dans ce que nous devons acheter, dans ce que le Seigneur dit au peuple. Premièrement, il parle de besoins indispensables, les besoins primaires, l'eau. Tout le monde aime boire l'eau si on ne boit pas. Amen. Il faut boire de l'eau, oui ou non? L'eau. Et c'est gratuit. Je ne sais pas si on peut acheter de l'eau minérale à Carrefour si on ne paye pas. Je ne sais pas. Non. On peut? Bon, aujourd'hui, ça va arriver. Amen. Nous allons prendre des bouteilles d'eau, on va remplir des chariots de bouteilles, des bouteilles. On ne payera pas. Amen. Même les gardiens ne vont pas nous embêter. Amen. La caisse même dira, oh, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Le lait. Pour les enfants, même pour nous autres. Parce que le lait, c'est un produit laitier, le lait. Tout le monde a besoin de lait. Et le bébé de un jour. Et le bébé de deux jours. Le bébé de deux ans. Même le vieux de 60 ans. Même le plus vieux. Même les mamans qui allaitent. Les mamans qui n'allaitent pas, les médecins disent, tous les jours, il faut prendre un produit laitier. Pour fortifier les os. Donc on parle ici des besoins primaires, des besoins indispensables. On parle de la nourriture, on parle de tout ce que nous voulons, on parle de vêtements. Le peuple est revenu, le peuple n'avait pas de vêtements, il n'y avait plus de nourriture. Tous les vignobles, tous les champs avaient été détruits par les Babyloniens quand ils sont venus envahir le pays, quand ils sont venus envahir Jérusalem, il n'y avait plus rien. Et quand le peuple revient, il n'y avait rien. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Moi, Dieu, je vais vous nourrir. Amen. Ce matin, Dieu te dit, il va te nourrir. Amen. Il va prendre soin de toi. Amen. Puis il y a une deuxième ligne de circonstances ici dans le texte. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le vin ici symbolise tous les besoins nobles, toutes les choses les plus précieuses. La voiture, c'est un confort. Avoir une voiture, c'est un confort. Même pour les voitures, avoir une Renault, une voiture Peugeot, c'est la moindre des choses. Mais avoir une limousine, ça devient problématique. Mais le Seigneur parle du vin. Le vin symbolise le besoin le plus précieux, le plus important. Nos nécessités les plus importantes dans notre vie. Et même celles-là, le Seigneur dit, moi Dieu, je vais vous les accorder. Amen. Et tout ça gratuitement. Amen. Ah, c'est beau. Les textes de Matthieu que nous avons lus, c'est la parabole de cet homme, un roi, qui avait organisé la fête de son fils. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tout le monde. Il distribue des invitations. Et au moment de la fête, tout était prêt. Les vaches grasses étaient prêtes. Toutes les brochettes. La viande des dindes, les cuisses des dindes étaient prêtes. La viande de l'agneau était prête. Tous les légumes étaient prêts. Tous les poulets bien cuits au four. Toutes les patates bien cuites. Toutes les salades. Le pain bien chaud. Les croissants. Tout était prêt pour la fête. Au moment où il fallait que tout le monde reste assis pour manger, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est ce que tu es en train de lire dans ton texte? Dans le texte, c'est ce que tu lis? Dans ta Bible, c'est ce que tu lis? Oh! Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est ça que tu lis? C'est ça? Moi, c'est ça que je lis. Il envoya encore d'autres serviteurs. Tout était prêt.
C'est-à-dire qu'il était agacé. Il dit, mais tout est prêt pour mes invités. J'ai envie de rappeler à quelqu'un que tout est prêt pour ta bénédiction. Amen. Toutes les conditions sont préparées par Dieu, ton Père, pour que tu rentres dans ton héritage. Amen. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Dieu a tout préparé. Tu entends même la voix de Dieu. Tu as tous les signes. Dieu te montre tout ce qu'il faut pour te montrer que le temps de ta bénédiction est arrivé. Amen. Et toi, tu refuses. Tout est prêt. Le temps que tu rentres, bien-aimé, dans la connaissance de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu va te bénir. Le temps est arrivé que tu rentres dans le ministère. Le temps est arrivé que les dons que Dieu a déposés en toi pour l'édification de l'église de Dieu se mettent au service. Et quand toi tu vas te mettre au service de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et toi tu refuses. Tu ne veux pas. Vous êtes très nombreux. Tu sens que toutes les conditions sont créées pour que tu te mettes au service du Seigneur. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Amen. Et tu ne veux pas rentrer dans le service de Dieu. Et aussi longtemps que tu ne rentres pas dans le service de Dieu, tu ne peux pas rentrer aussi dans ton héritage. Et tu tournes en rond. Tout est bloqué dans ta vie. Parce que tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle et toi tu ne veux pas répondre. Tout était prêt. Toutes les conditions étaient prêtes. Toutes les bêtes grasses étaient prêtes. Pour que les noces soient célébrées. Hélas, tous les invités, aucun seul ne voulait répondre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a tout préparé pour toi. Je vous ai dit qu'à la fin de notre culte, nous nous rendrons tous à Carrefour. Moi, le premier, nous irons prendre tout ce qu'il faut. Amen. Qui veut aller encore avec moi? Amen. Les mains commencent à hésiter. Non, n'hésite pas. Qui veut aller à Carrefour maintenant? Amen. Si j'arrête le message, je dis allons tous à Carrefour. Qui veut aller avec moi? Tu vas prendre tout ce que tu veux. Amen. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. La première condition, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Maintenant, je pose ma question autrement. Qui est-ce qui veut répondre à l'appel de Dieu qui l'appelle à son salut ce matin? Oh, continue à lever la main, continue à dire amen, amen fort. Amen. Ah, tu vois, les amen commencent à amen. Baisser. Parce que les doutes commencent à s'installer. Parce que tu commences à dire, ah, moi je pense que je dois faire quelque chose. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci à son champ. Celui-là à son trafic. Ce matin, le Seigneur veut tous nous bénir. Dieu veut que nous allions tous à Carrefour. Amen. Remplir nos chariots. Et prendre tout ce que nous voulons, que ce soit des aliments, du lait, du jus, même des vêtements, tout ce que tu veux, Dieu veut que tu ailles chercher sans payer. Amen. Dis toujours amen. Amen. Mais ici, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ce matin, Dieu nous appelle tous à son salut. Dieu nous appelle tous à son service. Amen. Dieu veut que nous soyons à son service. Continue de dire amen. Amen. Même si tu veux lever la main, dis oui, moi je suis prêt. Qui est prêt de répondre à l'appel de Dieu? Amen. Mais au moment de répondre à l'appel de Dieu, les gens ont commencé à donner des raisons. Celui-ci dit non, moi je vais premièrement à mon champ. Je n'ai pas envie de répondre à l'invitation du roi. Même s'il a tout préparé, non, non, non. J'ai des
J'incline l'invitation, je ne vais pas. Je préfère aller à mon champ. Comme ce matin, Dieu appelle tout le monde à son salut. Amen. Dieu nous appelle à évangéliser. Amen. Dieu nous appelle à témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous appelle à témoigner de son amour. Amen. Dans notre entourage. Dieu nous appelle à l'adorer. Seulement l'adoration. Amen. Dimanche 9h, Dieu nous appelle à l'adorer. C'est déjà énorme. Adorer Dieu. Seulement l'adoration. Mais nous trouvons toujours des raisons. J'ai reçu des amis. J'ai reçu des invités. Non, mon père m'a dit je ne peux pas. Non, ma mère même dit jamais à la paix de l'Éternel. Les gens disent non, là-bas non. Ailleurs, oui. Moi, je te dis oui, ici c'est la gloire de Dieu. Amen. Oh, ici c'est la puissance de Dieu. Amen. Ici c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Mais les gens disent non. Je ne vais pas aujourd'hui. Je vais sauter deux dimanches et je me rendrai l'autre dimanche. Et quand tu le dis, tu es en train de régner l'invitation de Dieu. Les rois ici symbolisent Dieu lui-même. Amen. Et les serviteurs que le roi envoie symbolisent Jésus. Et les gens ont régné Jésus. Jésus vient et nous parle. Et nous ne voulons pas accepter son invitation. Amen. Les gens disent non. Je pense que cette année, j'y vais seulement écouter la parole, mais je n'ai pas envie de m'engager vraiment, vraiment, vraiment. L'année prochaine, vraiment, 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 je vais m'engager. Engage-toi maintenant. Amen. Le lendemain ne t'appartient pas. Amen. Le lendemain appartient à Dieu. Amen. Venez, vous tous! Qu'est-ce qui est arrivé? Sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et ses serviteurs allaient, verset 10, dans les chemins rassemblés. C'est là où toi tu te trouves. Dieu a destiné les bonnes choses à certaines personnes qui les ont reniées. Dieu a envoyé son salut à Israël. Mais Israël a régné les saluts de Dieu. Ils ont pris Jésus et ils l'ont cloué sur la croix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est nous qui avons reçu Jésus. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les vrais Israélites. Amen. Dis avec moi, moi je suis le vrai Israël. C'est moi qui suis le vrai Israël. Parce que le salut est venu à Israël et Israël a régné le salut de Dieu. Non seulement ils l'ont régné, ils l'ont cloué sur la croix. Ils l'ont tué jusqu'au point de dire au gouverneur que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Et sur nos arrières-enfants. Un grand sujet de méditation. Un jour, je viendrai ici pour vous faire un séminaire. Pourquoi est-ce que le Moyen-Orient continue d'être les grands centres des spectacles, des conflits dans le monde entier? Parce qu'ils ont cloué Jésus. Amen. Je ferme la parenthèse. Jésus t'aime. Amen. Dis avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ses serviteurs allèrent dans les chemins. Matthieu 22, 10. Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. C'est toi. C'est toi. Méchant et bon, c'est toi. Et moi j'ai dit, noir et rouge, c'est toi. Antillais et gens venus de l'Afrique, c'est toi. Amen. Des blancs, des blancs, des blancs, des bleus, des beurs, c'est toi. Amen. Nous qui sommes méconnus par l'histoire, c'est toi et c'est moi. Amen. Il y a un ancien chef d'État français qui est allé au Sénégal et qui a dit que les Noirs ne font pas partie de l'histoire de l'humanité. Même si l'histoire ne nous connaît pas, mais Dieu nous connaît. Amen. Nous ne sommes pas étrangers à l'histoire de Dieu, à l'histoire de l'Évangile. Nous faisons partie de l'histoire de Dieu. Moi, je fais partie de l'histoire de Dieu. Amen. Partout où j'y vais, j'ai dit, je ne suis pas étranger à l'histoire de Dieu. J'annonce le salut de celui qui m'a appelé et qui m'a oint pour venir que Jésus vous aime. Amen. Et il veut votre salut et vous l'accorde gratuitement. Amen. Ses serviteurs allaient dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient. Et c'est le travail que nous faisons tous les jours dans notre vie. Tous les mois du mois, nous avons un jour où nous faisons
la campagne d'évangélisation massive où nous allons dans les rues pour annoncer le salut de Dieu à quiconque peut croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. En France, nous allons dans les places publiques, dans les marchés, dans les gares, pour dire seul Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Pour la gloire de Dieu. Ils allèrent, ses serviteurs, dans les places publiques et ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient. Le Seigneur t'a trouvé. Amen. Le Seigneur t'a trouvé. Amen. Le Seigneur m'a trouvé. Amen. Le Seigneur nous a trouvé. Amen. Méchants et bons. Avant, nous étions de méchants. Et plusieurs d'entre nous étaient des bons. Et le méchant et le bon. Le Seigneur nous a tous appris à son salut. Amen. Nous qui sommes là. Et la salle des noces fut remplie de convives. Aujourd'hui, notre salle est remplie de convives, Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est ça, les convives. Amen. La parole de Dieu qui nous rassemble ce matin, c'est la plus grande fête. Qui croit à cela? Si tu les crois, dis un amen, 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 amen. Un amen prolongé, un amen prolongé. Un amen, amen prolongé. Un alléluia prolongé, alléluia. C'est ça le plus grand de convives, mes amis. Les rois entrent pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et moi je te dis, même si tu n'avais pas un habit de noces, le Seigneur va te transformer. Amen. Il suffit seulement que tu acceptes cette parole. Bien-aimés, tous ceux que Dieu appelle ici dans Ésaïe 55, ce sont tous ceux qui sont présents ce matin ici. Dieu veut nous approvisionner. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous accorder son salut. Mais alors, c'est gratuit. Dieu ne nous demande aucune seule condition. Dieu veut seulement que nous acceptions son salut qu'il a accordé à quiconque croit en Jésus. Parce que Jésus a payé le plus grand prix de notre vie en allant sur la croix du calvaire. Et c'est là où le Seigneur, notre Dieu, a payé le prix de notre salut. Aujourd'hui, il nous dit, venez. Amen. Vous tous qui êtes fatigués. Amen. Vous tous qui êtes chargés. Amen. Venez. Venez vous approvisionner. Venez. Vous qui avez soif. Amen. Venez manger. Venez boire. Sans payer. Parce que quelqu'un a déjà payé pour Amen. Vous. Le Seigneur, bien-aimé, nous appelle à de très grandes choses. L'appel au salut de notre Dieu est gratuit, mais alors complètement gratuit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'appeler pour venir à son salut. Si tu acceptes ce salut, bien-aimé, tu vas rentrer dans ton héritage. Ça, c'est le verset 1. Au verset 2, il est écrit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ?» Prête bien attention. Cet appel consiste, bien-aimé, à nous rappeler de prioriser Dieu. Tout le monde m'entend toujours ? Amen. Plusieurs fois, nous voulons faire des efforts à des choses inutiles qui ne donnent pas la vie. Nous faisons plusieurs efforts pour répondre à d'autres choses. Si on nous appelle pour aller à la fête, nous sommes tous pressés d'y aller. Mais s'il faut venir à la fête de la parole de Dieu, plusieurs d'entre nous hésitent. Plusieurs d'entre nous, d'entre vous, se sont rendus dans des maisons obscures que je n'ai pas envie de citer ce matin. Ils ont fait plusieurs efforts pour s'y rendre dans ces maisons obscures. Quand je dis des maisons obscures, quelqu'un comprend? Ou bien il faut que j'explique? Non. Tu as besoin que je t'explique? Oui. Les maisons obscures, c'est-à-dire tu es pressé de te rendre auprès d'un sorcier, auprès d'un marabout, auprès d'un magicien,
qui te dit qu'il va prédire ta vie. Seul capable de prédire ta vie, il s'appelle Jésus. Amen. Le reste, ce ne sont que des mensonges. Jusqu'à gaspiller énormément de sommes d'argent. C'est ce que Esaïe dit de la part de Dieu. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Les gens gaspillent énormément d'argent en faisant plusieurs efforts dans des maisons obscures, des lieux obscurs. 22 heures, il faut répondre à la prière d'un prophète. Ça, ce sont des lieux obscurs. Il faut plutôt répondre à l'appel de Dieu à 10 heures tous les dimanches matin. Amen. Ici, il y a un prophète qui va te parler. Amen. Qui va te baptiser. Amen. Je n'ai pas encore vu les messagers sur Internet qui baptisent sur Internet. Nous baptisons par immersion ici. Amen. Tu écouteras la parole ici et nous allons te baptiser ici. Oui. Dis amen. Amen. Et tu vas expérimenter la puissance et la visitation de Dieu ici. Amen. Pas sur Internet. Il y a des gens qui perdent leur temps à des choses futiles. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il y a des gens qui perdent, mes amis, énormément de temps jusqu'à gaspiller leur temps, mais qui ne réalisent pas toujours la grandeur et l'amour de Dieu dans leur vie. Le Seigneur vous dit, pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Donc nous devons d'ores et déjà, pas demain, aujourd'hui même, d'arrêter de faire cela, parce que cela ne va pas nous apporter. Prêtez l'oreille, verset 3, et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Au verset 3, le Seigneur veut tout simplement nous faire voir, mes amis, que Dieu nous aime, que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur veut traiter une alliance perpétuelle. Amen. Une alliance très perpétuelle. Dieu veut conclure une alliance avec toi. Amen. La même alliance que Dieu avait traité avec David dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 7. Dieu avait conclu une alliance. Dieu avait envoyé Samuel pour se rendre auprès de David. Pour dire à David, David, comme tu es fidèle avec moi, je vais traiter une alliance perpétuelle avec toi. Dieu veut traiter une alliance perpétuelle avec toi. Amen. Qui est-ce qui est prêt d'accepter cette alliance avec le Seigneur? Si tu es prêt, lève la main, lève la main. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore rentré dans les conditions. Parce que nous irons tous à Carrefour dans quelques instants. Et nous allons remplir nos chariots. Moi le premier. Amen. Dis amen. Amen. Dieu veut traiter, bien-aimé, une alliance perpétuelle avec toi. Il y a des gens qui perdent leur temps à des choses complètement inutiles. Comme la femme samaritaine qui s'est rendue dans ses puits pour aller puiser de l'eau. C'est alors que cette femme va rencontrer Jésus. Et Jésus va dire à cette femme, donne-moi de l'eau. Et la femme va répondre à des questionnements qui n'ont qu'une seule importance. Le Seigneur t'appelle à son salut. Arrête des questionnements inutiles. Accepte seulement son salut. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Amen. La femme va dire, mais tu n'as rien à puiser. Comment est-ce que tu vas puiser parce que le puits est profond? Et Jésus va répondre, moi j'ai de l'eau. Et si tu acceptes l'eau que moi je vais te donner, j'aime cette réponse. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est cette eau que le Seigneur veut te donner ce matin. Si tu me suis toujours dit amen. Bien-aimé, les jours qui arrivent seront de plus en plus difficiles. Tu m'entends? Amen.
Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, pas demain. Et si tu acceptes l'invitation gratuite de Dieu, pas demain, tandis que je parle, tu vas rentrer dans ton héritage. Amen. Parce que les prophètes Amos, dans le chapitre 8, le verset 11, il va dire des choses très dures. Je suis en train de commenter le verset 3. Dieu veut établir son alliance avec toi. Parce que les jours qui viendront seront de plus en plus difficiles. Amos. Chapitre 8, verset 11. Les gens vont chercher la parole, mais ne la trouveront pas. Voici les jours où viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Jusqu'à présent, on peut entendre ici le message. Il y aura un moment où tu vas chercher Papa Antonio, tu le verras pas. Tu vas chercher le pasteur Pedro, qui est en mission ce matin pour aller traduire le pasteur Moïse, tu ne le verras pas. Tu vas chercher Maman Suzanne, tu ne la verras pas. Tu vas chercher l'évangéliste Prosper, à lui il dit toujours des grandes choses, tu ne le trouveras pas. Ah, il faut que je cherche un frère. Peut-être qu'il va m'exhorter une soeur. Tu ne la trouveras pas. Parce que nous serons déjà tous enlevés. Arrébatables. Nous serons enlevés au ciel. Amen. Les jours viennent. Les jours qui sont en train de venir seront très durs. Mais Dieu veut traiter l'alliance perpétuelle avec ceux qui acceptent sa parole. Dieu veut que nous achetons sans argent. Dieu veut nous donner à boire sans argent. Tous, comme nous sommes ici. Encore une fois, je pose ma question. Qui veut acheter sans argent? Qui? Normalement, on achète que quand on a l'argent. Oui. Et pour une fois, nous pouvons acheter sans argent. On dit Amen. Amen. Si tu veux acheter sans argent, dis je veux acheter sans argent. À la fin du culte, nous allons faire une grande queue, nous allons partir à Carrefour. Amen. Tu seras là? Oui. Ensuite, tu viendras avec moi, dis oui, Amen. Amen. Condition. Première condition. Tu es toujours là? Amen. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. C'est le premier commandement dans le livre d'Exode, chapitre 20. Matthieu, chapitre 22. Ah, il faut que je lise ça. Ah, il faut que je lise ça. Matthieu 22, chapitre 36. C'est l'un des versets, c'est l'un des chapitres les plus longs des évangiles. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue. Non, je lis le 22, 36. 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième. Tu lui es semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour acheter sans argent, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Ça, c'est la première condition. Quelqu'un est capable d'accomplir cette loi? Cette condition? Deuxième condition, j'en donnerai sept. Je vous assure que j'en donnerai toutes les sept. Même s'il faut rester ici jusqu'à demain. Sois un modèle de l'amour de Dieu. Amen. Nous pouvons nous rendre tous à la fin de notre culte, remplir cinq chariots. Deuxième condition, en étant un modèle de l'amour de Dieu, au milieu duquel où nous vivons,
en ayant un bon comportement et en ayant en nous les fruits de l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, verset 22. Je ne lis pas, va lire à la maison. Troisième condition. Sois un bon disciple de Jésus. Oui. Pas seulement un disciple, mais un bon disciple. Un bon disciple de Jésus, fidèle à Dieu et fidèle à l'Église, la paix de l'Éternel. Amen. Je précise. Hein. Il y a un ami pasteur qui a reçu une bourse d'études à l'Angola pour des gens qui devrait venir en France. On lui demande 7 personnes. Et le pasteur donne comme condition, sélectionnez-moi 7 personnes qui iront en bourse d'études en France. Mais la première condition, regardez-moi dans le cahier, si ces personnes payent leur dîme tous les mois. Durant l'année, s'ils ont payé leur dîme. S'ils ont payé leur dîme durant toute l'année, alors en ce moment-là, son nom peut figurer dans la liste des boursiers. Et moi, je dis, pour être un bon disciple de Jésus, fidèle à Dieu et fidèle à l'Église, le livre de Hébreux chapitre 10 et le verset 25 dit, n'abandonnez donc pas votre assemblée comme l'habitude des autres. Aujourd'hui, tu es ici à la paix de l'Éternel. Demain, on te retrouve encore là-bas. Il y a un frère qui venait ici et puis on l'a retrouvé dans une autre église ailleurs et il a fait exactement les mêmes choses qu'il fait ici. En voulant rencontrer le pasteur comme il fait ici, en disant, pasteur Pedro, évangéliste Prosper, reçois-moi. Je suis dans de besoins très forts et nous prenons notre temps pour le recevoir. Nous gênons même pour lui. Nous prenons notre temps pour nous entretenir, pour sa bénédiction, parce que nous avons une école que nous appelons l'école de l'excellence. Et je vous assure que quand nous recevons à cette école de l'excellence, tu vas vraiment rentrer dans ton excellence. Amen. Oh, regarde, tu dis pas amen. Amen. Quand nous prenons notre temps, nous te recevons. Nous écoutons, parce que notre travail consiste aussi à écouter. C'est-à-dire, nous allons toujours t'écouter. Et quand nous t'écoutons, parce que tu n'as pas d'oreille qui t'écoute, si on ne t'a jamais écouté, quand tu viendras à la paix de l'Éternel, tu auras une oreille pour t'écouter. Amen. Et quand nous allons non seulement t'écouter, mais nous allons te répondre ce que Dieu nous aura dit pour ta vie. Amen. Il a voulu le faire dans une autre église. Et le pasteur de cette église dit, mais toi, je te vois à la paix de l'Éternel. Toi, tu es fidèle de l'évangéliste Prosper. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rentre dans ton église. Ils vont bien, très bien, et mieux d'ailleurs s'occuper de toi qu'ici. Tu n'es pas de cette maison. Chaque enfant a sa maison. Et on ne choisit pas sa famille. Tu n'es pas par hasard ici. Dieu t'a envoyé ici parce que Dieu veut que tu sois ici. Amen. Donc si tu te rebelles en allant dans une autre maison, tu vas laisser ta bénédiction ici. Et là où tu iras, tu vas errer toutes les années. Si tu ne reviens pas ici, tu ne vas pas rentrer dans le plan de Dieu. Les gens auront beau prophétiser pour toi, mais aussi longtemps, bien-aimé, que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu. Timothée était déjà disciple. Et il avait un bon témoignage quand Paul, l'apôtre Paul, va le rencontrer dans la ville de Corinthe. Et Paul va dire à Timothée, viens avec moi. Et quand Timothée va suivre Paul, il deviendra le serviteur de Paul. Et il va devenir Timothée. Il sera connu. Et d'ailleurs, nous allons voir son nom dans la Bible. Parce qu'il a accepté de suivre Paul. Il va rentrer dans le plan de sa bénédiction. Parce qu'il est avec Paul. Tu peux être avec d'autres personnes. Mais aussi longtemps
que tu n'es pas à côté de celui que Dieu a préparé pour ta bénédiction, tu vas mourir avec toutes les prophéties du monde. Parce que tu n'es pas à côté de celui que Dieu a préparé. Je sais seulement que celui qui est à côté de moi, il va rentrer dans les plans de Dieu. Oh, regarde, personne n'a dit amen. Amen. Moi, je reviens de Luanda, à Mission. Il y a une famille qui avait des gros problèmes, vraiment des gros soucis de santé. Et la fille qui a 32 ans, et sa maman qui a environ 70 ans, et leur soeur, et leur frère, ils avaient des gros soucis, vraiment des gros problèmes. Et quand ils ont appris qu'il n'y a pas de l'éternel, à la paix de l'éternel, ils se font des prières fortes. Ici, ils se font des prières profondes. Regarde, tu dis pas amen. Ici, dans cette église, ils se font des prières extraordinaires. C'est-à-dire, si tu as des soucis quand tu viens ici, quand nous faisons des prières fortes ici, Dieu t'accorde la délivrance. Alors, ils nous ont invités pour nous rendre chez eux. Moi, j'ai dit au groupe de serviteurs, rendez-vous avec mon autorité. Allez prier pour cette famille. Et quand ils arrivent à la porte, d'habitude, les gens qui s'y vont demandent une enveloppe de 50 000 kwanzas. Donc, c'est-à-dire quand le pasteur arrive avec son groupe, avant de rentrer à la maison, il faut prendre une enveloppe. Mon équipe, quand elle est arrivée, n'a pas demandé aucune seule enveloppe. Amen. Comme toi, quand tu es arrivé ici, on ne t'a pas demandé de donner une enveloppe. Nous avons seulement demandé ton cœur. Ce matin, nous te demandons seulement ton cœur. Nous te demandons seulement ton cœur. Que tu donnes ton cœur à Dieu. Et si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus va rentrer dans ta vie et Jésus va t'apporter la solution. Amen. Oh, quelqu'un dit amen? Amen. Non, il n'y a pas eu d'enveloppe. Nous avons prié pour cette famille. La dame faisait la dépression. Elle tombait malade. Et quand elle tombait, elle restait des heures durant. Elle perdait connaissance. Mais depuis ces jours-là que nous avons prié pour elle, elle était maigre. Au jour où je vous parle, elle a même commencé à changer de taille d'habit. Amen. Parce que mon Dieu l'a béni. Amen. Mon Dieu l'a guéri. Amen. Il y a de cela plus de 2 mois qu'elle n'est jamais tombée. Elle tombait tous les jours, tous les jours. Il y a plus de 2 mois qu'elle ne tombe plus. Elle a retrouvé même une formation. Amen. Et j'ai dit à la dame, comme tu es licenciée, si tu veux travailler au ministère des finances, mon Dieu va te faire rentrer dans ce ministère. La maman qui avait des problèmes de reins, des problèmes de pieds, des problèmes de cœur, des problèmes d'estomac, aujourd'hui, là où je vous parle, Dieu l'a complètement guéri. Cette maman a pris même la décision de se dire, à partir de maintenant, je vais servir Dieu dans cette église. Elle est tout le temps avec sa famille. Nous avons visité l'une de leurs familles. Imaginez-vous 38 degrés. Il y a un membre de leur famille, une dame de 42 ans, qui était tout le temps vêtue de manteau. À 38 degrés. Comme Bartimée, un gros manteau. Et qui avait toujours des yeux fixés sur un coin. Qui ne bougeait pas. Avec son manteau. Et nous passions. Et nous nous sommes arrêtés. C'est qui le membre de votre famille? C'est celle-là. Vous voulez que nous prions pour vous? Oui, je veux que vous priez pour moi. Au moment même où nous posions la question, elle a enlevé son manteau. Amen. Oh, quelqu'un clame Dieu? Elle a enlevé son manteau. Nous avons prié pour elle. Elle est tombée par terre. Amen. Quelques instants après, elle est revenue à elle-même. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu l'a complètement délivré. Bien-aimé, si tu es à côté de moi, Dieu va te faire rentrer dans ton alliance. Amen. Dieu va te faire rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Sois fidèle à Dieu. Amen. Sois fidèle à la paix de l'éternel. Amen. Et tu vas voir ce que Dieu va opérer. Parce que le Seigneur t'aime. Il est merveilleux. C'est un bon Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent réellement. Tu arrives à la paix de l'éternel, tu commences à expérimenter la gloire de Dieu, tu commences à expérimenter l'amour de Dieu,
Au lieu de rester fidèle ici à l'église, tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas, à partir de ce moment où je parle, sois fidèle à Dieu et sois fidèle à mon Dieu. Et tu verras ce que Dieu va opérer dans ta vie. Parce que le Seigneur t'aime. Quelqu'un peut acclamer Dieu très fort. Troisième condition. Sois un bon disciple de Jésus, fidèle à Dieu et fidèle à la paix de l'Éternel. Hébreux chapitre 2, verset 25. Quatrième condition. Respecte l'autorité de Dieu établie dans cette église. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Si tu respectes l'autorité établie ici, à la fin du culte, nous irons tous à Carrefour. Amen. Tu vas prendre le nombre de chariots que tu veux. Amen. Si tu ne le faisais pas avant, à partir du moment où je parle, si tu prends cette ferme résolution en te disant, je ne suis pas venu ici parce que je suis invité, mais je vais respecter l'autorité établie dans cette église. Je vais obéir. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Je vais lire ce verset, Hébreux chapitre 13, le verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si tu nous respectes, nous qui prions pour vous, tu pourras aller à Carrefour, remplir 5 chariots. Tout le monde est toujours prêt pour se rendre à Carrefour? Amen. Je vais voir qui est-ce qui va se rendre avec moi. Cinquième condition, sois un bon témoin de l'amour de Dieu en évangélisant. Quand nous dirons, quand l'évangéliste Prosper se tiendra, c'est pour dire, mes amis, bien-aimés, Église de Dieu, nous avons une campagne d'évangélisation. Cette campagne ne concerne pas que les jeunes. La campagne d'évangélisation massive concerne toute l'Église. Moi, j'ai envie de voir qui est-ce qui va participer à la prochaine campagne. Qui? Tu vois? Comment est-ce que tu vas te rendre à Carrefour, prendre 2 chariots? Je vous ai dit, je vais voir qui va continuer de dire Amen avec moi. Amen. Qui est-ce qui peut évangéliser avec moi? Amen. Quand nous dirons, il y a campagne d'évangélisation, viens. Amen. Si tu ne viens pas, tu ne peux pas aller à Carrefour. Quand tu vois, les mains commencent à baisser. Amen. Sois un bon témoin de l'amour de Dieu en évangélisant. Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est un commandement. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il me reste 2 conditions. Mène une vie de sanctification et de crainte de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 43. Il est écrit que tous les jours, ils étaient au temple. Ils étaient non seulement au temple, mais ils marchaient aussi dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Dieu veut continuer à opérer des miracles. Amen. Mais il va falloir que la crainte de Dieu soit dans ta vie. Sois un bon témoin en évangélisant. Mène, sixième condition, une vie de sanctification et de crainte de Dieu. Et enfin, persévère dans l'amour de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46. Bien-aimé Dieu, le Seigneur notre Dieu, ce Seigneur que je vous présente est un bon Dieu, est un Dieu merveilleux qui a formé des projets de bonheur, d'amour et de paix pour nous. Dieu veut, il avait déjà préparé ça d'avance, des bonnes et de meilleures conditions pour nous qui sommes son peuple.
Voilà pourquoi le peuple revenu de Babylone, de la captivité, Dieu dit à ce peuple revenu de Babylone, sans argent, sans rien du tout, sans plantation. Quand ce peuple était revenu de la captivité, Dieu promet sa bénédiction. Et sa bénédiction en abondance. Amen. Dieu promet la vie. Dieu nous promet tous la vie. Amen. Dieu nous promet tous la vie en abondance. Amen. Le pianiste. Dieu nous promet, bien-aimés, la grandeur. Dieu veut nous amener à l'excellence. Dieu nous invite à des bonnes et meilleures vies. Condition, acceptons son appel. Amen. Je vous assure, mes amis, si nous acceptons l'appel de Dieu, ta vie ne sera plus jamais, mais alors plus jamais la même. Nous baissons nos têtes et nous allons.